Tada, j'ai fait un château de sable. C'est moche. C'est mieux quand je marche dessus. Parfois, il suffit d'une goutte de larme magique pour qu'un miracle se produise. Il y a quelque chose sous le sable. Je vais le déterrer. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fruit du diable? Je vais devoir en prendre une bouchée. Ça a un goût de gâteau. Je veux tout manger. Miam, miam, miam. Hein? Pourquoi est-ce que je brille de mille feux? Où est-elle allée? La fille semble être apparue dans le bateau de l'équipage des pirates au chapeau de paille. Bonjour! C'est juste une antello. Elle est très inoffensive. Bienvenue sur notre bateau d'équipage. En tant que nouveau pirate, tu dois porter un chapeau de pirate. Tiens bon, tu as tellement de boutons. Mais je sais comment t'aider. Ouvre grand, Luffy. C'est ici que nous gardons certaines de nos affaires. Ah ah! Je l'ai trouvé. Ma bonne vieille boîte de beauté. Elle contient des instructions pour devenir un pirate. Nous devons suivre toutes ces étapes. J'en suis! Hey, tu en es? Oh oui, j'en suis vraiment! Est-ce que c'est un bouton géant que je vois? Ce bouton est aussi gros qu'un dôme. Ça me donne envie de l'éclater! Couvre-moi! Non! C'est un vrai gâchis! Il faut faire quelque chose pour ces boutons. J'ai une idée. Coupons-les avec mes puissantes épées. Tu es sûr de toi? Pousse-toi de là. C'est plus sûr d'utiliser mon kit de beauté à la place. J'ai la pince à épiler. Alors commençons à arracher ces boutons. C'est tellement satisfaisant. Tada! Le problème est résolu. Tu as raison. Je pense qu'elle serait plus belle sans lunettes. Maintenant, nous pouvons admirer ta police et sans défaut. Mon visage est si lisse. Ces aisselles poilues ont besoin d'être coupées. Oui, il faut faire quelque chose pour ça. J'ai une combinaison de ciseaux et de rasoirs. Attaque! Ça a marché? Hein? Qu'est-il arrivé à mes armes? Le pouvoir des poils de l'aisselle est trop fort! Tu as cassé mes outils! Ça craint pour toi! Et si on essayait d'arracher les poils avec une sucette? Doucement! Ne bouge pas! J'y suis presque! Yay! Oups! Désolée! Ne t'inquiète pas, j'ai mon kit de beauté. Ce qu'il te faut, c'est cette mousse à raser spéciale à vaporiser sur tes aisselles. Ensuite, je la gratterai avec mes épées. Elles sont aussi lisses que mon visage! Hé! Hey, qu'est-ce que tu fais? Regarde cette saleté sur ta bouche! Je veux manger plus de chocolat! Ça suffit! Tu es en train d'abîmer tes dents! Jetons ça! Heureusement que j'ai ce gadget à dents pour t'aider à les nettoyer! Ouvre grand et tiens-toi bien! C'est comme un pistolet à eau! C'est un moyen rapide de nettoyer ta bouche et tes dents! Montre-moi ton sourire éclatant! Parfait! Magnifique! Nous devons aussi arranger tes cheveux. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Je vais enrouler ces crayons de couleur autour de ta tête et les recouvrir de papier d'aluminium. Ensuite, j'ai besoin d'un piment. Prends-en une bouchée, s'il te plaît. Oh, bien sûr! Oh oh! Luffy crache du feu! Ce souffle de feu va chauffer tes cheveux et faire l'affaire. Voilà, je te donne une toute nouvelle coiffure. J'ai l'air si belle! Chaud, chaud, chaud! Tiens, bois un peu d'eau. Personne ne surveille la boîte à beauté. Je pense que je peux l'ouvrir moi-même. Il y a quelque chose derrière la boîte de beauté. Est-ce que c'est un monstre marin? Attaque! Hey! Arrête! Ces tentacules sont pour le maquillage. Tu presses l'encre des tentacules dans une coque et tu l'appliques sur ton visage à l'aide d'un pinceau. Attention! Ça m'étouffe! Oh oh! Pendant ce temps, la jeune fille a commencé à appliquer une ombre à paupières avec l'encre des tentacules sans personne pour l'aider. Lâche-le! Méchant tentacule! C'est tellement moche que je vais juste le recouvrir d'un cache-œil. Wow! Ce cache-œil est vraiment un truc de pirate à porter. Je vais t'aider avec le reste de ton maquillage.
Tamponne et brosse doucement tes joues et tes yeux. Puis, ajoute des paillettes. Je vais utiliser ce pochoir pour dessiner un tatouage d'encre sur ta joue avec un fard à paupières noir. C'est parfait! Maintenant, terminons par un brillant à lèvres roses. Le tour est joué. Waouh! Maintenant, tu as l'air d'un pirate. Oui, c'est ça! Elle est prête à naviguer comme un vrai pirate. Oh, un serpent s'est faufilé à bord. La fille est trop occupée à nettoyer pour remarquer le serpent. Alors, je l'ai combattu comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un serpent géant qui s'en prend à notre homme d'équipage. Serpent! Serpent! Oh non, le serpent se rapproche. Laisse-moi attraper le serpent avec mes mains extensibles. Je t'ai eu. Sors d'ici, mon pote. Il ne nous entend toujours pas. Même pas le violon bruyant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je sais ce qu'il faut faire. Je vais fouiller dans son oreille. Je savais. Ses oreilles sont pleines de cire. Il faut enlever toute la cire. C'est dégoûtant. J'en ai plein la main. Que quelqu'un m'aide. Hé! Qu'est-ce que c'est? Enlève-moi ça. Je vais m'évanouir. Au moins, tu peux entendre maintenant. Oh non, c'est Buggy. Hein? J'ai cru entendre un bruit. Eh bien? C'est l'occasion ou jamais. Hein? Oups, elle a failli me voir. Ce n'est probablement rien. Je pense que cette petite fille fera un excellent acteur pour mon émission. Hé! Buggy, qu'est-ce que tu fais là? Ne bouge pas. Je t'ai eu. Au secours! Buggy a fait tomber son nez. Oh, il faut qu'on sorte d'ici. On a entendu un cri. Où est-elle allée? Regarde! Cette petite boule me dit quelque chose. Je la reconnais. C'est le nez de Buggy. Il a dû la prendre. J'ai la fille maintenant. Attends, où est mon nez? Il faut que je le convoque. Regarde, la balle flotte. On dirait qu'elle va nous mener à Buggy. Et si c'était un piège? Il faut que je sorte. Je crois qu'on se rapproche. Écoute, c'est sûrement l'endroit. Nous devons être très prudents. C'est là. Tu m'as trouvé. Je t'ai pris dans mon piège. Nous allons nous battre contre toi. Défi accepté. Chop chop. Pistolet à chewing-gum. Yeah! Buggy a utilisé sa jambe pour faire trébucher Luffy. Aïe! Mince alors! C'est à mon tour d'attaquer. Hiya! C'est tout ce que tu as, mon grand. Buggy a utilisé son pouvoir pour attaquer Zoro par derrière. Oh! Mes amis sont blessés! Oh non! Ah! Oh! Mes yeux! Le spectacle est terminé! Oh non! Les pirates au chapeau de paille sont eux aussi pris au piège! Je serai le roi des pirates! Je sais! Grâce à mes pouvoirs de Gum Gum, je peux étirer mon bras et vous libérer! S'il te plaît, fais en sorte que ça marche! J'ai détaché la corde! Oui! Ça a marché! Prends ça, vilain clown! Aïe! Mon pied! Super méga coup de poing! Aïe! Ils ont réussi! Les pirates du chapeau de paille ont vaincu Buggy! Bravo, l'équipage! Nous sommes le meilleur équipage de pirates! Regarde comme je m'entraîne à manier l'épée! Waouh! Waouh! Regarde ce tour! Waouh! C'est vraiment cool! Il sait vraiment comment utiliser une épée! Wouhou! C'était génial! Il faut que je me procure cette épée et que je sois aussi cool que lui! Où est mon? Attention! Attention avec cette! Hey! Wow! C'est trop chaud! Cours! Non! Retourne de l'autre côté! Tout le monde se baisse! Et si elle coupe ses doigts comme des saucisses? Ou comme des carottes? Vous venez de me donner faim, les gars! Je sais ce qu'il faut faire!
Prends un morceau de papier et plie-le comme ceci pour faire une lame en papier. Puis, prends un autre morceau pour faire une poignée et un fourreau pour l'épée. Je t'ai acheté une nouvelle épée pirate. Tu veux t'entraîner avec moi? Oui! Allons-y! Waouh! C'est une sirène dans le sable! On dirait que ces coquillages ont des pouvoirs! C'est une poupée sirène! Waouh! J'ai une poupée sirène! Elle est à moi maintenant! Non, je l'ai vue en premier! La poupée s'est cassée en deux! Maman pauvre et maman riche à la rescousse! Comment je vais faire, moi? Majordome, venez ici immédiatement! Voici votre cadeau! Pourquoi se contenter d'une poupée sirène quand on peut en avoir une vraie? Waouh! Une vraie sirène! Maman pauvre mijote quelque chose. Je prends le haut du corps de la poupée et je forme une nageoire à l'aide de coquillages. Je verse de la colle dessus pour tout bien coller. Et maintenant, on ajoute les paillettes. On se débarrasse de l'excès et la poupée sirène est prête. Je l'adore! Ma nouvelle poupée sirène est si brillante! Il me faut de l'eau. J'y vais! Il faut que je l'attrape! Waouh! Même les crottes de nez de la fille riche sont luxueuses! Je vais essayer! Burk, c'est juste de la morve normale! Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Burk, Mia! Heureusement que j'ai un petit billet pour te nettoyer! Tiens, joue avec ça! Waouh! Regarde toute cette morve! Moi aussi, je veux jouer! Non, tu ne touches pas! Ne sois pas triste, ma chérie. Méchante. Voyons une seconde. Regarde. Cette peluche Peppa toute déchirée. On va commencer par lui enlever le nez et y attacher un élastique. Comme ceci. Ensuite, je remplis un sac transparent avec du slime. Je le referme. On dirait un squishy. Et je le mets dans le nez. Regarde, la morve sort du nez. Toute gluante. J'ai un nez de cochon. Waouh, regarde toute cette morve. Oh, c'est dégoûtant. Waouh, oui. J'adore, maman. On dirait que les filles mijotent quelque chose. Miam, j'ai toujours voulu manger du rouge à lèvres. Waouh, on dirait de la pâte à modeler. Parfait, remettons ça à sa place. Vite, cache-toi. Je vais me mettre du rouge à lèvres. Mais pourquoi c'est tout écrasé, ça? Ils sont tous les deux détruits? Qui a fait ça? Je crois qu'on a trouvé les coupables. Les filles vont-elles se faire disputer? C'était une édition limitée! Une seconde, je sais! Majordome? N'en dites pas plus, madame. Voici un rouge à lèvres au chocolat géant. Prêt à être mangé! Miam! C'est trop bon! Oh là là! Moi aussi, je suis bouche bée. Tu veux du rouge à lèvres? Je sais! Moi aussi, je peux en fabriquer. Rien de plus simple avec de l'adhésif double face. J'en découpe un bout et je le colorie en rouge. Puis, je le roule. Ensuite, je fais un plus grand rouleau noir. Je glisse le rouleau rouge à l'intérieur du noir. Et voilà! Un rouge à lèvres aussi vrai que nature! Quant à la fille riche, tout ce sucre lui a donné mal au ventre. Si mal qu'elle a besoin d'un médecin. Eh bien, c'est embarrassant. Les filles pauvres et riches jouent au foot. Oh non! La fille riche a trébuché sur un rocher et s'est fait mal au genou. Oh non! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman à la rescousse! Majordome! Oh, que s'est-il passé? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, votre maman a acheté tous les pop-it de la ville. Vous avez un casque pop-it et des coudières pop-it. Encore mieux, des tapis pour recouvrir les rochers. Et encore des pop-it pour ne pas vous faire mal. Il ne faut pas lésiner sur la sécurité. Cet endroit est maintenant réservé aux VIP. Ouais, mon aire de jeu à moi toute seule! Parfait! Oups, je suis encore tombée, mais mes genoux vont bien cette fois!
La fille pauvre s'est aussi fait mal au genou. Ne t'inquiète pas, chérie, je vais trouver une solution. Du papier à bulles? J'ai une idée. Que fabrique la maman pauvre? Je vais recouvrir tes genoux de papier à bulles et tout ton corps pour encore plus de protection. Ouais! Maman pauvre versus maman riche, qui est la meilleure? Une veillée autour du feu de camp, avant que le cauchemar commence. Un monstre vert de terre? Ah, je t'ai eu! C'était juste un bonbon géant. Voici ta friandise, Mia. Trop bon! Sérieux? Moi aussi, je veux un bonbon géant! Quoi? Un bonbon géant? Mais je n'ai que du lait. Une seconde, j'ai une idée! D'abord, je verse le lait dans un ramequin. Puis, j'y ajoute de la gélatine. Et du colorant alimentaire. Je mélange le tout et je mets ça dans un verre. N'oublions pas les pailles. On laisse durcir et on appuie sur les pailles pour faire sortir les verres. Plutôt cool, non? Tiens, ma chérie. Pas mal, mais peut mieux faire. Encore des friandises. Ce sont des Oreos, cette fois. Trop bien, cette nuit en camping. Oh, c'est pas vrai. Ma fille est encore plus jalouse. Un pot? Que fabrique la maman pauvre, maintenant? Je vais remplacer le terreau par des biscuits écrasés. Comme ça. Ensuite, je place les verres par-dessus. La meilleure de toutes les friandises. Tiens, c'est pas mal, ça, pas vrai? Voyons. Waouh, c'est délicieux! J'en veux d'autres! Meilleure friandise du monde! Elle mange des vers de terre? C'est toujours sympa d'éclater des boutons. J'en ai marre, j'ai plus de boutons à éclater. Hein? Un énorme bouton sur le front de maman? Accroche-toi, bouton. Mia à l'attaque. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à mon visage, Mia? Attends que je regarde. Ok, prends ça à la place. Waouh! J'ai trop hâte d'essayer ce jouet! En attendant, il faut que je couvre ce bouton avec du maquillage. Essayons ce jouet! Je vais l'épiler. C'est génial! Yes! J'ai enfin attrapé la souris! Maintenant le pain. Ah ah! Un sandwich à la souris pour le déjeuner! Non, je veux ce jouet! Oh, Hailee! Voyons ce que je peux faire. Une bouche pour s'entraîner au maquillage? Je sais. Je reviens tout de suite. Je la prends. Merci. Maintenant, j'enlève le rouge à lèvres et j'ajoute des poils. Je me sers d'un fil très fin. Je le coupe bien court. C'est parfait pour Mommy Long Legs. Ensuite, je remplis ces ballons avec du faux pu. Je ne pense pas que Mommy Long Legs soit très satisfaite de ces changements esthétiques. Tiens, ma chérie. Amuse-toi. Waouh, ça a l'air super! Commençons par les poils. N'oublie pas d'éclater les boutons aussi. Génial! Oh mince! Le pu a atterri directement sur la maman riche. Toi! Désolée, maman riche. Tous à bord du Domino Express! Maman, regarde! Waouh, ce train est trop cool! Regarde tous ces dominos! C'est pas juste! Moi aussi, j'en veux un! Oh non, que s'est-il passé? Un cube en carton? Fabriquons nos propres dominos! D'abord, plaçons ici ces petits morceaux de carton. Ce livre tient tout seul. On le met ici. Quoi d'autre? Encore des livres? Plaçons-les du plus petit au plus grand. Crois-moi, mercredi, la Bible ne te plaira pas. Fiu, c'est lourd, ça. J'ai trouvé un autre grand livre. Waouh! Eh bien, c'est du sport. C'est bon. J'ai trouvé le dernier. Je crois que c'est une porte. Ok, maintenant, fais tomber les dominos. Oh non, attention! Non! Oh, cette maman pauvre!
Tu es la meilleure de toutes les mamans. C'est l'heure de notre manicure. Je m'ennuie. Oh, un moment, mademoiselle. Oh, il a laissé le vernis. C'est ma chance. Je vais m'entraîner. Heureusement que maman riche est concentrée sur le magazine. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que j'ai mis la main dans un pot de moutarde. Donne-moi ça. Regarde ce que t'as fait. Oh! Je dois arrêter ce cri. Une minute, c'est une main en plastique ça. Regarde, tu peux t'entraîner sur cette main. Essaie de vernir les ongles et pas les doigts. Je suis jalouse. Voyons ce que je peux faire, ma chérie. Me reste-t-il de l'argent? Je ne pense pas qu'un centime soit assez. Ok, me revoilà avec un outil spécial. Il vient d'arriver. Je vais jeter la boîte. Et... qui trouve garde? Un carton. J'ai une idée. Je commence par tracer la forme de ma main sur le carton. Et je fais des petits trous au bout des doigts. Ensuite, je coupe un bout de papier en bande. Le papier va dans les trous. Et on attache l'excédent à l'arrière de la main. Voilà! Une main faite maison. Wow. Tu peux lui couper les ongles et les vernir. Utilisons tes feutres. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Waouh, tu peux même les faire pousser. Et les recouper. Pas besoin de trucs sophistiqués pour que ça marche. Jouer aux jeux vidéo en mangeant, c'est naturel. Mais regardez-moi ces saletés. Oh là là! Oh, Mia! Oh non, vite! Il faut nettoyer ça! Heureusement que j'ai cette mini souffleuse! Tiens, ma chérie, sers-toi de ça! C'est la tempête! Là, sur le clavier! Aïe, aïe, aïe! Je peux souffler toutes les miettes! Waouh, mon clavier est comme neuf! Parfait! Maintenant, je recommence! Quoi? Ellie! Regarde ces saletés! Oh, ne t'inquiète pas, maman! Je m'en charge! Ça ne va pas le faire. Il faut faire quelque chose. Hé, je sais! Tous ces trucs gluants sous ma chaise peuvent nous servir. Je fais une boule. Ok, c'est bon. Ça colle tellement que ça va enlever toutes les miettes. On soulève doucement. Et voilà! Plus de miettes. Impeccable! Check, maman! Yes! Le slime marche à tous les coups. Des fruits? Burk, pas question! Mais il te faut des vitamines! Ah ouais! C'est vrai, je sais quoi faire! Ce petit spray! Il me faut juste une pastèque. Je rentre le spray dedans. Et je fais pchit! Plus il y a de fruits, mieux c'est! Alors je prends cette orange et je fais pareil. Tiens, ma chérie! Oh, c'est rigolo! Je vais goûter l'orange aussi! Pas mal! Super! Maintenant, débarrassons-nous de ces chips! Oh! C'est quoi? Un tube de Pringles? Oh non! Il est vide! Mais il pourrait peut-être nous servir! Je rentre le tube dans le milieu de la pastèque. Quand je le retire, j'obtiens la meilleure partie de la pastèque. On coupe tout ça et ça nous fait des bâtonnets de pastèque. Parfait pour une journée ensoleillée! Juteux et délicieux! Waouh, j'ai trop hâte de goûter! Si sucré! Cette Barbie conduit comme une pro! Mais elle ne sait pas éviter les squishies! Oh non! Maman! Quoi encore, Mia? J'ai écrasé un squishy! Aucun problème! En voici plein d'autres! Super, je les veux tous! Chute de squishies! C'est trop bien! Je peux détruire tout ça! Hé! Hey, c'est quoi? Oh, j'aimerais bien avoir des squishies! Oh, ma chérie, ne sois pas triste! Je sais! D'abord, je plie un bout d'adhésif double face en deux. Puis, je mets ces orbes dans une seringue. Ensuite, je les transfère dans l'adhésif et je le remplis. Et notre squishy est prêt!
Tiens. Waouh, c'est génial! J'adore ce squishy! C'est l'heure du goûter. Ces bonbons sont trop bons. Regarde ça. Hein? Ce n'est pas de la nourriture saine. Fini les bonbons. Vous devriez plutôt manger des brocolis. J'adore les brocolis. Burk, non merci. Mais il faut manger sainement. Non, je crois que c'est plutôt mon ours qui va manger ça. Non, regarde l'état de ton ours. Tu en mets partout. Laisse-moi l'essuyer. Arrête et donne-moi ça. Je vais verser les légumes dans un bol spécial pour qu'ils ne puissent pas les renverser. Allez, mange. Non. Ah, pourquoi ça ne se renverse pas? Maintenant, ouvre. J'ai dit ouvre. J'ai fini de manger. Nounou, j'ai aussi fait la vaisselle. Très bien, tu mérites un bon dessert. C'est tellement sucré. Je t'ai dit d'ouvrir la bouche. Attends un peu. De la gelée et des légumes? J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Hein? Je vais mettre ce chou-fleur dans un bocal. Ensuite, je vais ajouter de la gelée. Enfin, je vais mettre une étiquette dessus. On dirait un cerveau dans un bocal, non? Tu peux manger ça à la place. Burk! C'est de la cervelle! Il faut que je goûte! C'est génial! Je vais savourer chaque bouchée. Je savais que c'était une astuce géniale. Oh non, le monstre va attraper la petite fille. Hein? Nounou est là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre sous mon lit. Laisse-moi vérifier. Ce n'est que ton frère. Arrête de faire peur à ta sœur, jeune homme. Retourne dans ta chambre. Quel rabat-joie! Regarde ces lampes toutes mignonnes. C'est tout mou. Ça m'aide à me calmer. Moi aussi, j'adore les squishies. Je vais en mettre partout dans ta chambre. Maintenant, tu peux t'endormir avec une armée de squishies qui te protège. Et je vais aussi te lire une histoire. C'est quoi ce bruit? Je crois que ça vient de sous mon lit. Et si c'était un monstre? Qu'est-ce qui se passe dans sa chambre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'y aille. Tu es réveillée? Ce monstre joue avec le vilain garçon. Qu'est-ce que tu veux? Oups, désolée. Les enfants, venez ici et mangez une pomme. Hein? Regardez vos mains sales. Arrêtez. Quoi? Quoi? Regardons-la de plus près. Tu vois, il y a des microbes qui rampent sur tes mains. Ne touchez pas à la nourriture avant de vous être lavé les mains avec du savon. Je déteste le savon. Je reviens tout de suite. Regarde, c'est comme ça qu'on se lave les mains avec du savon. C'est si facile. Les mains sont propres. Je ne veux pas me laver les mains. Des beignets. J'en veux un. Mais mes mains sales. Tant pis. Beignet, tu es à moi. Oh oh, je l'ai fait tomber. Il est encore bon à manger. Aïe, j'ai mal au ventre. Que s'est-il passé? Tu as mangé avec les mains sales? Alors tu es probablement malade. Qu'est-ce qu'on va faire? Du savon pour les pieds? J'ai une idée. Je vais les appeler. Je voudrais passer une commande, s'il vous plaît. J'ai reçu le colis. Tada! Un savon pour les pieds? C'est trop cool! Enfin, le problème est résolu. C'est plus amusant de me laver les mains avec ça. C'est fait. Les mains sont parfaitement propres. Nounou et les enfants sont au parc. Je savoure ma sucette. On s'ennuie, hein? Regarde les aisselles poilues de ce type. J'ai un plan. Hé! Apparemment, on peut se servir de sucette pour épiler les aisselles. Je tente. Hein? On dirait que ça marche. Voilà ta sucette. Elle est dégoûtante maintenant. Fais voir. Burk, on va la jeter.
J'ai une autre sucette. Et ce pistolet porte-sucette. Mets-le dedans. Quoi? Bon appétit! Ouais, c'est trop cool! Et moi alors? Problème résolu. Oh non! Les pieds du vilain garçon tachent les draps. Oui, oui, oui! Pendant ce temps, la fille sage s'offre une journée au spa. Nounou est là! Quoi? Regarde le lit! Descends de ce lit tout de suite! Je ne veux pas! Waouh! Viens ici! Arrête de courir! Tu mets de la boue partout! Attention! Hein? Je l'ai! Bien joué! Viens ici, nous allons te laver les pieds! Non, le spa c'est pour les filles! Mets tes pieds! Oh là là! Il va falloir changer ça! Tes pieds ont transformé l'eau en marécage! Je ne l'utiliserai plus jamais! Je m'en vais! Très bien, vas-y, mais ne te salis pas! Oh non, je suis désolée! Voici des bottines pour la remplacer! Waouh! C'est chic, non? Trempe tes pieds dans du spray à l'instant! Ok, c'est bon! Waouh, si propre et si soyeux! Mangeons une pomme. J'ai mal aux dents. C'est bon, ça va. Ta dent est tombée. Laisse-moi voir. Oh non, il faut que tu te brosses les dents. Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Un chien? Ok, ça m'a donné une idée. On va utiliser ce bouchon pour faire sortir le dentifrice. Regarde ça. Le chien fait caca sur ta brosse à dents. C'est trop drôle! Bon, je vais me brosser les dents maintenant. C'est dégoûtant! Fini! Nounou est un vrai génie! Bon travail! La petite fille sage nettoie son côté de la pièce toute seule. Merci d'être une fille indépendante. Pendant ce temps, le côté de ce vilain garçon est en désordre. Brrr, j'ai une énorme crotte de nez. Je vais l'essuyer avec mes draps. Tu es vraiment dégoûtant. Lève-toi et nettoie ta chambre. Non, je ne veux pas. Stupide balai. Pas de balai, pas de ménage. Prends ça. Je mange des chips quand je veux et je vais salir le sol. Tu me donnes mal à la tête. Oh non! Il faut que j'aide Nounou. Je vais chercher le balai et mon petit camion. Je vais placer le balai devant le camion et mettre Barbie dessus. Maintenant, je peux balayer simplement en utilisant une télécommande. Je peux même m'amuser en même temps. Bien joué, Barbie. Et la saleté sur les draps? Je reviens tout de suite. Tu veux une morve géante? Berk. En fait, c'est juste du slim pour ramasser la saleté. Les miettes collent au slim. J'ai récupéré toute la saleté. Facile. Enfin, tout a disparu. Mais je dois encore changer les draps. Nous avons bien travaillé. Quelle équipe! Et toi, tu devrais commencer à dépoussiérer tes étagères. Ouais. C'est l'anniversaire de la petite fille. Attends, tu ne peux pas encore le manger. Je dois allumer les bougies pour que ta sœur puisse faire un vœu et les souffler. Vas-y. Un vœu? C'est si long. Je vais le faire. C'est fait. Mangeons le gâteau maintenant. Mais je voulais les souffler. Laisse ta sœur le faire. Essayons encore une fois. Ok, fais un vœu. Prends trop de temps. Alors je vais encore les souffler. Arrête! Toi, tu n'es pas drôle. Et tu es un très mauvais garçon. Sois sage, d'accord? J'ai une idée. Je vais utiliser un sèche-cheveux pour souffler sur le gâteau. Oh non! Je pourrais utiliser l'assiette à cupcake. J'ai couvert le sèche-cheveux juste à temps.
Tu es une vraie rabat-joie. Donne-moi ce sèche-cheveux et ne bouge pas de ta chaise. Quel vœu pourrais-je faire? Je ne sais pas. Ah ah! Un souffleur de feuilles! C'est trop puissant! Je ferais mieux de le débrancher. Ouf! Je vais mettre un cache-prise pour qu'il ne puisse pas le rebrancher. Me revoilà! A-t-elle fait son vœu? J'ai trouvé mon vœu! Ouais! Enfin! J'avais peur qu'on s'en croûte. Prends du gâteau! Merci, je suppose. Cette fête n'est pas mal, en fait. Regarde mes tours de skateboard! J'ai de meilleurs tours, moi! Oh oh, attention! Je perds l'équilibre! Ah! Oh oh, le skateboard s'est écrasé. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est embarrassant, mais je crois que j'ai perdu ma dent de devant. J'ai une idée. Je vais utiliser de la colle pour remettre ta dent en place. Donne-moi juste une seconde pour que ça marche. C'est prêt! Qu'est-ce que tu ressens? Ma dent est de travers. Oups, je crois que j'aurais dû utiliser de la super colle. T'as perdu une dent? Attends, je vais appeler quelqu'un. Oui? Hé, quoi de neuf? Qui êtes-vous? L'homme en noir est venu chercher ses dents en or. Merci. Maintenant, retrouvons ce sourire. Essayons ceci. Pourquoi ne donnes-tu pas un petit sourire? Ça me va bien en tant que garçon riche. Ces abeilles sont définitivement attirées par ce sirop de miel. Oh non! Le garçon est sur le point de mordre dans une gaufre au goût d'abeille. Hein? Tu ressembles à un hamster! Oh non! J'ai aussi une abeille sur moi! Je me suis fait piquer! Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai besoin de brûler le dard. Non! Es-tu prête? C'est l'heure de cuisiner! Ça brûle! Regarde le feu brûler le dard! Heureusement que j'ai apporté un mini extincteur. Juste un petit jet par ici. On essuie toute la mousse. Je suis le meilleur docteur. J'ai une piqûre d'abeille sur la langue. C'est un code rouge. Super, le paquet est déployé. Ouvrons-le. Cette pompe va tout arranger. Elle pompe l'aiguillon et le poison. Waouh, t'es le meilleur, Doc. Le jour le plus redouté, la vaccination. C'est le tour des enfants. Qui est prêt pour sa piqûre? Éloigne-toi d'eux. Allez. J'ai de meilleures solutions. C'est aromatisé aux fruits. Super, je vais m'en occuper. Tu veux essayer notre tout nouveau shot aromatisé au Fanta? C'est doux. Donne-moi un peu plus. Maintenant qu'il est distrait, c'est l'heure de la vraie piqûre. Je l'ai déguisé en requin pour qu'il ne soit pas trop effrayant. C'est facile. C'est comme ça que tu traites un enfant. Réfléchis à un. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Super, elle est distraite, c'est ma chance. Continue de regarder par là. J'ai juste besoin de te rafistoler et c'est fini. Quoi? Comment est-ce arrivé? Détends-toi, t'as un médecin intelligent. C'est l'heure des bonbons. Je prendrai pas cette pilule géante. Ce sont des Skittles? J'ai une idée géniale. Je vais cacher cette pilule dans les bonbons. Regarde, j'ai trouvé une machine pour bonbons. Waouh, c'est trop cool! Je veux prendre une tonne de bonbons. J'en ai un. Yay! Viens vers moi. Waouh, ces bonbons sont énormes! Et j'ai même pas transpiré. Je veux pas de ce médicament! Éloigne-le de moi! Tu vas prendre la pilule ou bien... un marteau? Hey yeah! Je vais le réduire en poudre. Hein? J'en veux pas! Je vais mettre la pilule en poudre dans un bol. Puis j'ajouterai des graines de chia. Maintenant, on verse de l'eau. Hey, cette poche de sang est encore utile. Je vais ajouter une goutte de sang et commencer à remuer. Voilà, c'est prêt. J'ai préparé un bonbon gluant juste pour toi. Essaye. Waouh, c'est aromatisé à la fraise. Goûte. Ok. C'est délicieux. Tu vois, je l'ai piégée pour qu'elle prenne le médicament. Peu importe.
Hulk est à moi. Non, à moi. Je pense pas que Hulk ait des pouvoirs de super étirement. Ouch. Aïe. Les deux enfants se sont fait mal au bras en tombant. Mon patient est blessé. Assieds-toi et montre-moi ton bras. On va faire une radio. Oh, tu t'es cassé l'os. C'est grave. Est-ce que c'est le gant de Thanos? J'ai une idée brillante. Je dois passer un coup de fil. Oui, apportez-le ici. Ton collier est arrivé. Super, merci. Je me demande quelle est la surprise. Tada! C'est le gant de Thanos. Si tu le portes, tu seras le garçon le plus puissant du monde. Wow, c'est trop cool! N'oublie pas ton écharpe dorée pour tenir ton bras. Une écharpe de l'infini. Vérifions ton cou. Ouvre. Mais c'est mon bras qui me fait mal. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Hein? On va utiliser ça pour tenir ton bras. Comment? Essayons. Oups, il doit y avoir un autre moyen. Dieu merci, il se débarrasse enfin de ses vieilles chaussettes. Je vais utiliser mes vieilles chaussettes pour tenir les bâtons ensemble. Ça sent mauvais. Eh bien, tu devras faire avec. Regarde, je peux attraper le Lego dans ma bouche. Cool, je vais essayer. Ouch, je crois qu'il est resté coincé dans mon nez. Oh, zut, je crois que j'ai avalé le Lego. 911. Quelle est l'urgence? Oh là là, t'as avalé une brique de Lego. Rien qu'un dispositif de pompage ne puisse réparer. Ça va pomper le Lego. Je l'ai. C'est un risque d'étouffement. On peut utiliser des tapis d'alphabet à la place. Yay, je veux jouer. La dernière pièce. Laisse-moi réparer le toit. C'est presque fini. Waouh, ma propre maison de l'alphabet. D'accord, je vais essayer de retirer les Legos avec une pince à épiler. C'est dégoûtant et c'est plein de morve. Tu sais quoi? Ça pourrait être utile. Prends un Lego Pop-It. Maintenant, je vais remplir le moule avec des chocolats colorés. Laisse-le durcir. Et c'est reparti. Démoule-le. Voilà, nous avons maintenant des Lego comestibles. J'ai un goûter Lego pour toi. Waouh! Je veux d'abord essayer de construire une tour. Pourquoi n'essaies-tu pas? Nom! J'adore ça. Mon astuce est meilleure que ces gadgets stupides. Ça gratte tellement. Regardons de plus près. Ta tête est pleine de poux. J'ai besoin de la loupe. Et mon patient a aussi la tête qu'il démange. Sa tête est également infestée de poux. Je sais ce qu'il faut faire. Je reviens tout de suite. Je suis de retour et tout habillé. Wow! Détends-toi, je suis que ton médecin. Je t'ai préparé un bain. On va te mettre dans cette piscine gonflable. Commençons par le shampoing contre les poux. Nous allons devoir en utiliser beaucoup pour être sûr de noyer tous les poux. C'est trop! J'ai du shampoing dans l'œil! Oups, ne t'inquiète pas, j'ai un gadget pour ça. Cette visière empêchera le shampoing de pénétrer dans tes yeux. Une dernière chose, un pommeau de douche canard. Pendant que le canard conduit son bateau, tu prends une douche. Tu vois ça? Mes gadgets fonctionnent parfaitement. C'est fait! Waouh, ma tête ne me démange plus! Je devrais me couvrir la tête pour éloigner les bestioles. Et un couvercle de poils à frire pour protéger mon visage. Ok, je suis bien habillée. Laisse-moi vérifier les poux dans tes cheveux. Il y en a trop! Oh, j'arrive pas à respirer dans ce truc! Il faut qu'on te rase les cheveux. Quoi? Pas de cheveux, pas de poux. Mes cheveux! On a presque fini. Je vois plus de poux. Mes cheveux! Au moins, on a résolu le problème, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont des éruptions cutanées sur leur visage? Je vois ce qui se passe. Vous avez besoin d'antiseptique. On en met sur les éruptions cutanées. Waouh, mon visage ne me démange plus. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Tu essaies de faire comme l'incroyable Hulk. Docteur, aide-moi! Oh! Hé! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai aussi des éruptions cutanées. Burk, attends, j'ai une idée. Faisons-le de façon biologique. Transformons ce chou en masque de beauté. Non! Tu as gaspillé ma nourriture!
Oh! Qu'est-ce que le docteur est en train de faire? Je vous présente l'emporte-pièce à forme. Je vais l'utiliser pour faire des petites formes amusantes avec le chou. C'est bon, c'est prêt. Je vais mettre une forme sur chaque éruption cutanée. Waouh, mon visage est joli! C'est mieux que de ressembler à Hulk, non? Le docteur est là pour les échographies. Moi d'abord! Pour tout cet argent, bien sûr! Je veux passer en premier! Je vous donne toutes ces pièces d'or! L'or est bien mieux que l'argent! Princesse Peach passera en premier! Vous devriez avoir honte! Je vais être riche! Alors, commençons l'échographie! Voyons... It's me, baby Mario! Woohoo! Oh, il est trop mignon! Le bébé vient de sauter? C'est à moi! Vite! Je vais pas faire attendre l'argent! Allons-y! Avant tout, l'argent, s'il vous plaît! 1 000 $... C'est bon! Commençons l'échographie! Je vais poster un selfie sur Instagram! Une poupée magnifique comme maman! En pleine forme et riche! Quoi? Je vous paye une pièce! Une seule pièce? Pas question! Oh oh! Mercredi n'est pas contente! Hein? Où est la sonde? La chose a volé la machine pour mercredi? Je vais le faire moi-même! Pas besoin de docteur quand on peut faire son échographie soi-même! Bien joué la chose! Voyons ce bébé! Excusez-moi, mais vous n'avez pas payé pour l'échographie. Oula! Vous voulez faire du mal à ma maman? Je veux juste la sonde. Salut! Pas de doute, c'est bien le bébé de mercredi. Votre repas! Du porridge aux insectes. Mangez! Le goût est assez unique, n'est-ce pas? Je pensais que mercredi aimerait manger des araignées. Berk! Barbie, elle aussi, doit manger le porridge aux insectes. Berk, prenez tout cet argent, je veux quelque chose de meilleur. Ça marche. Un sandwich à la saucisse. Enfin de la vraie nourriture. Je dois y aller. C'est vraiment pas juste. Évidemment, Peach doit manger le même porridge. Berk, tenez un lingot, donnez-moi quelque chose de bon à manger. Une pizza, délicieux. Quoi? Pourquoi elle a le droit à une pizza? J'en veux une. J'ai plus de pizza, mais voulez-vous de la crème chantilly? Je pense pas que la crème chantilly aille bien avec les saucisses. Mais au moins, Barbie est satisfaite. Je veux du sucré aussi. Alors, une part de gâteau. Une bonne addition à votre pizza. Ça va pas du tout. Je veux pas de gâteau. La crème chantilly n'est pas bonne non plus. Je m'en fiche, mangez. Oh là là, mangez et puis c'est tout. Pas évident de dormir quand on a un ventre énorme. J'en ai assez, j'appelle les renforts! Aidez-moi, hein! Une licorne? C'est Ken! Je t'ai amené une bouée! Merci d'être venu! Que m'as-tu amené? Hein? Une bouée? Pourquoi faire? Lève-toi et je vais te montrer! Allonge-toi sur la bouée avec ton ventre dans le trou! D'accord... Comme ça? Waouh, c'est super confortable! Tu vois? Et une licorne pour te faire des câlins! Tu es le meilleur petit ami du monde! Fais de beaux rêves! C'est mignon! Maintenant, Peach est jalouse! Si seulement... Oh! Hello, it's me! Waouh, Mario! Je t'ai amené quelque chose! Waouh, un oreiller de grossesse! C'est génial, il est tellement confortable! J'y vais! C'est super, ça! Son ventre se repose sur l'oreiller. Ils font trop de bruit! Il faut que je ferme le couvercle. Oh oh, son ventre empêche la fermeture. Oh! La chose! Que va faire la chose avec un couteau? Il ne va pas lui couper le ventre! Quoi? Ah, ouf! Il a juste fait un trou dans le couvercle pour passer le ventre de mercredi. La chose travaille bien de ses mains. Boire une bouteille entière de jus de fruits va complètement remplir sa vessie. Oh mince, j'ai envie de faire pipi. Police, venez ici. Emmenez-moi aux toilettes, s'il vous plaît.
les toilettes, hein? Pas de problème, allons-y. Moi aussi, j'ai envie de faire pipi. J'y vais en premier. Ouais, une main. Je voudrais aussi aller aux toilettes. Prenez mon argent, j'y vais en premier. J'ai un lingot d'or. Évidemment, l'agent choisit l'or. Il a ses priorités. Oh, dépêchez-vous. Vous avez 5 minutes, pas plus. Peach ne rentrera jamais dans ces toilettes sales. Berk, quel monstre habitait ici? Vous allez m'emmener dans des toilettes de luxe. Par ici, s'il vous plaît. Tout est en or, comme vous aimez. C'est parfait. Enfin, quel soulagement. C'est à qui? À moi, à moi, à moi. J'ai de l'argent. Désolée, la fille riche passe en premier. Allons-y. Ah, pas question d'utiliser ces toilettes sales. Encore de l'argent. Venez, vous pouvez utiliser celle-ci. Excusez-moi, dégagez. Il y a déjà quelqu'un. Oups, essayez la porte à côté. Waouh, tout est rose. Ces toilettes sont faites pour moi. Ah, enfin soulagée. Cool, du papier toilette en billets. C'est à moi maintenant. Wow, vous m'avez fait peur. Mais, attendez, comment êtes-vous sortie? Qu'est-ce que... où sont mes clés? Oh, petite Maline. Donne-moi ça. Allez, je vous emmène aux toilettes. Voilà. Quoi? Pas question. Mercredi offre une pièce d'un dollar, mais bien sûr, ce n'est pas assez pour l'agent. Je vous achète vos chaussettes. Mes chaussettes? Que va faire Mercredi avec les chaussettes de l'agent? Ah, je vois. Les chaussettes vont recouvrir le siège des toilettes. En plus, c'est chaud. Il faudra juste les mettre au sale après utilisation. C'est l'heure du bain pour ces dames. Évidemment, la méga riche passe en premier. Je parie que sa baignoire est moche. Un bain doré pour vous, Princesse Peach. C'est magnifique. Prenez mon peignoir et dégagez. Ah, relax. C'est à moi? Emmenez-moi dans ma salle de bain. C'est long tout ça. Vous avez un rideau et un espace douche rien que pour vous. Super. Un peu d'intimité, s'il vous plaît. Oups, pardon. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oh, je peux pas toucher mes pieds. Il me faut de l'aide. Wow, tout cet argent. En échange contre ces bottes. Intéressant. On verse du savon et de l'eau dedans. Jusqu'en haut. Barbie peut se laver les pieds sans problème. Elle trempe ses pieds et chante sous la douche. Et en deux temps trois mouvements, ses pieds sont propres. Ce gadget est vraiment malin. À vous, Mercredi. Votre baignoire est derrière vous. Juste une petite cuvette. Oh, tournez-vous et donnez-moi un peu d'intimité. Oups, je ne vois rien. C'est une belle cuvette. Il faut juste se faire tout petit. Merci pour le savon, la chose. Tu es une gentille main. Regardez cette minuscule baignoire. Cette loseuse. Mais c'est une cuvette. Vous appelez ça un bain? Oh oh, les filles ont mis Mercredi en colère. Que mijote-t-elle? Je voudrais emprunter ta pomme de douche. Oh oh, ça va mal finir. La douche de Barbie a besoin de couleur. Voilà, bonne douche. Passons au rinçage. La la la. On a un petit problème coloré. Ah! Oh oh, ce sont des piranhas. Mes copains veulent jouer avec toi. Oh, quelque chose m'a mordu. Au secours! La femme de ménage a beaucoup à faire. Et on dirait qu'elle a le temps de toucher des ventres de femmes enceintes. Un bidon? Il faut que je touche! Il est si gros et doux! Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas! Prenez mon argent et partez!
Cool, maintenant je suis riche et je peux toucher un bidon. C'est pas assez? Alors prenez mon pistolet à billets. Wow! Ok, ok, je prends. Oh, un autre bidon! Enfin! Un bidon! Non, non! Arrêtez! Je dois le toucher! Non! Je t'ai eu! Pas si vite! C'est pas trop tôt! Il y a un ventre là-bas que tu peux toucher. C'est mercredi. J'y vais! Je vous surveille. Princesse Peach est interdite d'accès. Merci, monsieur l'agent. Votre bidon est si gros! Qu'est-ce que... Qui vous a autorisé à toucher mon ventre? Dégagez ou sinon... Wow! Pas besoin, j'ai un plan. Que va faire la chose avec ses clous? Il va décorer le ventre de mercredi? C'est tellement ennuyeux. Il vaut mieux en rajouter jusqu'à ce que tout le ventre soit couvert de clous. Personne n'osera toucher un ventre comme ça. Aouh! Ça pique! Bien joué la chose. Check. Que font les filles aujourd'hui? Waouh, une poussette royale! Elle est enfin arrivée! Elle est parfaite! Voici votre paiement. Wow! Je vous donne un lingot si vous me donnez la poussette. C'est pas possible! Voici le lingot. Yes, c'est un vrai! Une poussette en or me va beaucoup mieux. C'est pas juste! J'ai acheté en premier! Je me sens un peu coupable. J'ai une idée! Waouh, une poussette en argent! Rien de mieux pour mon bébé! Merci! Wow! Je veux une poussette gothique! Une pièce d'1 $ pour une poussette gothique? À ce prix-là, vous n'allez pas avoir grand-chose. C'est une commode derrière vous? Que fabrique le livreur? C'est bon! Oh, arrête de me faire sursauter! Je peux rien faire de mieux que ça! Au revoir! Juste un tiroir vide? Mercredi va pouvoir l'améliorer un peu. Si je peux pas acheter de poussette gothique, je vais créer quelque chose. Heureusement que j'ai de la peinture noire. Je vais tout recouvrir de noir comme mon âme. Ensuite, j'ajoute des chaînes rouges et argent autour. Des draps dedans. Et un oreiller dessus. Mon bébé va adorer son berceau suspendu. Eh bien, on dirait que toutes les filles sont contentes de leur poussette. Chacune leur style. Je me mets du vernis. Oh! Mon bébé me donne des coups de pied, j'en ai mis partout. Oh non, comment faire? Oh, peut-être que la musique la calmera. Tiens, tu peux emprunter le casque de maman. Son bébé prend de nouveaux selfies. Ah, enfin, ça a marché. Maintenant, je peux finir mes ongles. Oh, mon bébé me donne des coups de pied. Oh, bébé Mario fait peut-être un cauchemar. Le casque marchera peut-être aussi pour toi. Ça ne marche pas. J'ai besoin d'aide. Qui est-ce avec l'agent? Eh bien, c'est la célèbre Billie Stylish. Lâchez-moi. Ça marche. Il adore votre voix. Bébé Mario est dans l'ambiance. Toute cette musique a bien aidé les bébés. Mais ça commence à embêter mercredi. Oh non, maintenant mon bébé proteste. Eh bien, un vrai caprice. Une seconde, je me souviens de quelque chose. Que va faire mercredi avec ses conserves vides? Je relie les conserves avec une ficelle et elles me servent de téléphone pour que mon bébé m'entende. Il était une fois une nuit de tempête, un énorme monstre effrayant. Ça marche! Rien de mieux qu'une petite histoire d'horreur pour endormir bébé mercredi. Super, mon bébé s'est endormi. Je vais me reposer aussi.